Bonjour. Bonjour à tous, à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Je suis heureux d'ouvrir le premier webinaire de La Marée et je suis heureux que ce soit dans le cadre de la commission système d'information, dans lequel donc effectivement La Marée rentre dans le monde de la digitalisation. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Cotel, je suis Risk Manager d'Airbus Defence and Space et président de la commission système d'information à La Marée. Bonjour à tous. Merci beaucoup, La Marée, de m'accueillir dans ces locaux pour ce webinaire. Je suis Fabien Caparros. Je suis le chef de la division en charge des méthodes de management de la sécurité numérique à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Nous allons aujourd'hui vous parler d'une initiative commune que nous avons menée dans le cadre d'un partenariat et pour lequel donc, nous avons issu un guide qui s'appelle le guide pour la maîtrise du risque digital, l'atout confiance. Et en fait, la genèse de cette initiative, elle est liée au fait que nous avons à la MRAE la conscience que le risque digital était un risque qu'il fallait prendre en compte et sur lequel les entreprises devaient mieux se préparer et mieux gérer l'exposition. Nous avons pendant de nombreuses années travaillé sur ces sujets-là, que ce soit au niveau de la gouvernance, au niveau de l'assurance cyber, de la gestion du risque, et nous avons également mené beaucoup de recherches sur ce sujet-là. Néanmoins, il nous est apparu évident que ce sujet-là avait aussi évidemment une dimension technique qu'il fallait amener et pour lequel donc l'ANSSI était effectivement un partenaire crédible et évidemment apportait toute sa connaissance de ce sujet-là. Alors, je vais présenter l'ANSSI en quelques mots. Effectivement, on a fait le même constat. De notre côté, on est une agence qui a une vocation davantage technique. Et dans la mesure où le risque a évolué, a pris une nature stratégique, il était nécessaire pour nous aussi de nous rapprocher des risk managers pour faire cette synthèse entre la technique et le risk management. L'ANSSI, c'est quoi en quelques mots? On est donc l'agence nationale en charge des questions de cybersécurité. On est rattaché directement au Premier ministre au travers de la secrétaire générale de Défense et Sécurité nationale. C'est un ancrage qui est cohérent pour nous parce que c'est un enjeu qui est éminemment transverse, interministériel. Et l'ANSSI a deux grandes missions. Une mission d'autorité nationale de cyberdéfense, qui est une mission opérationnelle, où on détecte les menaces, on les contre, on réagit, on protège un périmètre qui est le périmètre le plus sensible pour la nation, c'est-à-dire les opérateurs d'importance vitale ou les opérateurs essentiels de sécurité, donc les administrations et les entreprises les plus importantes. Après, on a une deuxième mission, qui est une mission davantage de politique publique pour intégrer la sécurité numérique dans la transformation numérique. Et au travers de cette mission, on va développer de la doctrine technique, de la doctrine organisationnelle comme celle-ci. On va également aider le marché de la sécurité numérique à se développer avec un gros travail de labellisation, avec les visas de sécurité de l'ANSSI. Et on va faire de la sensibilisation, avec notamment le MOOC de l'ANSSI qui est ouvert à tout le monde. Voilà ces deux grandes missions. On est 600 actuellement à l'ANSSI, avec une croissance de 50 personnes à peu près par an qui va se poursuivre. Et on a un cœur d'expertise qui est à la fois technique, opérationnel, et puis dans la connaissance des métiers et des institutions internationales. Alors, quels sont les messages et les objectifs de ce guide-là? En fait, on a essayé de rassembler, dans le cadre de ce guide, voir la slide, le meilleur du risk management avec le meilleur de la politique de sécurité numérique. Dans le cadre d'un guide qui soit compact, qui soit en fait un cadre normatif, une sorte de voiture, un grand véhicule dans lequel on va pouvoir intégrer les différents composants sur lesquels à la fois l'AMRAE et l'ANSSI ont travaillé depuis de nombreuses années. On a voulu que ce guide soit accessible à l'ensemble des partenaires qui sont en prise avec cette gestion de risque. Les dirigeants des petites et moyennes entreprises qui sont au cœur de cette problématique-là, parce que ce sont eux qui sont en première ligne par rapport à cette exposition.
les risk managers des grands groupes pour lesquels effectivement ce guide-là permet d'asseoir une méthodologie et effectivement d'accompagner un processus global de gestion du risque digital, mais également les responsables de sécurité informatique pour lesquels ils vont avoir ensemble avec le risk manager au moins un guide commun sur lequel ils vont pouvoir parler. Je pense que parmi les expériences les plus importantes dans le cadre de ce travail qu'on a fait en commun, c'est qu'on s'est aperçu rapidement qu'il y avait un vrai problème de vocabulaire. Là, on s'est rendu compte avec Fabien qu'on utilisait parfois les mêmes termes, les mêmes mots, mais qu'on n'y associait pas forcément les mêmes choses. Et je crois que le travail vraiment important que l'on a fait ensemble, c'était de pouvoir discuter de tout ça, de façon à pouvoir clarifier et avoir effectivement un discours commun sur l'ensemble de la gestion du risque digital, avec une ambition claire, c'est de pouvoir permettre aux organisations, petites, moyennes, grandes, privées ou publiques, de façon à ce qu'elles puissent comprendre le risque numérique, être capables de pouvoir donner les rationnels et soutenir les actions mises en place pour gérer ce risque digital, et enfin pour être capable de pouvoir valoriser cet effort, non pas comme un simple coût, mais comme un véritable investissement. Et je pense que c'est véritablement ça qui nous a guidés et qui fait de ce guide une avancée significative à la fois pour nous dans le monde du risk management, mais également pour l'ANSSI. Oui. Alors, quelle est l'ambition pour rentrer un petit peu dans le guide? L'ambition de ce guide, qu'est-ce que le guide peut vous apporter? Globalement, on constate qu'il y a un gros effort de sensibilisation qui a été fait ces dernières années, et puis les attaques se sont multipliées, donc il y a une prise de conscience, elle est plus ou moins forte, mais il y a une prise de conscience à la fois dans les administrations et dans les entreprises sur le fait que c'est un domaine qui devient prépondérant, c'est un risque d'entreprise, un risque stratégique, et sur la complexité aussi à prendre en compte ce nouveau risque. Du coup, la question qui vient, naturellement, c'est comment on fait? Là, ce que l'on veut apporter avec ce guide, c'est une démarche rationnelle qui permet de progressivement mettre en place une réponse qui va être globale, qui va être efficace, efficiente, pour pouvoir intégrer la sécurité numérique dans la transformation numérique. Pour les risk managers, ça veut dire quoi? Ça veut dire intégrer le risque cyber dans la gestion des risques les plus importants de l'entreprise. Le guide s'adresse du coup à qui? Il va s'adresser aux dirigeants d'entreprise, certes, il va s'adresser aussi aux directeurs des administrations, notamment des administrations de taille moyenne, pour qu'ils puissent comprendre cette démarche et la suivre progressivement. Et il va s'adresser dans la mise en œuvre à ceux qui vont être en charge de cette mise en œuvre, les risk managers et les RSSI et les CISO. Dans les fondamentaux du guide, il y a 15 étapes, ça fait beaucoup, mais surtout, il y a 4 phases. 4 grandes phases qu'on va vous présenter ultérieurement qui sont assez simples à comprendre. Elles doivent vous amener, ces phases, à d'une part maîtriser le risque et maîtriser les coûts, les investissements, mais d'autre part aussi à pouvoir valoriser ces investissements parce qu'il y a un vrai effet d'opportunité dans la sécurité numérique qui permet d'avoir un retour sur investissement un peu plus fort. Le dernier point sur les valeurs de ce guide, une réponse globale, parce qu'il va falloir mettre en mouvement toutes les ressources de l'entreprise, une démarche progressive, parce que c'est complexe, et donc il faut y aller pas à pas, une démarche soutenable, parce que la transformation numérique, c'est un train qui ne s'arrête pas, donc il va falloir tenir dans le temps. Et le dernier point, c'est que c'est une démarche évaluable. Donc, ça fera partie des travaux que l'on va continuer à conduire sur la base de ce guide pour pouvoir aider à évaluer la maturité dans la sécurité numérique à l'aune de ces différentes étapes. Et je vais passer la main à Philippe pour entrer un peu plus dans le guide. Alors, comment résumer ce guide en une planche et en un graphe? Ce graphe, c'est celui-ci. C'est vraiment, si j'avais envie de dire, c'est la synthèse des vraies cultures AMRAE, Risk Management, entreprise stratégique, et ANSSI, qui est le Risk Management également technique. On a deux roues
qui symbolise un petit peu les 15 étapes et qui montre un petit peu comment ces 15 étapes-là, progressivement, permettent d'avoir une cohérence globale dans la maîtrise du risque digital. La roue d'en haut, si je veux caricaturer un peu, c'est la roue du risk management stratégique telle qu'on peut l'avoir dans plein d'autres types de risques. Et c'est bien normal, parce que le risque digital, c'est un risque d'entreprise. Et donc, de manière assez logique, il faut traiter le risque digital avec une méthodologie qui s'approche de tout autre type de risque majeur que l'entreprise doit avoir à affronter. C'est-à-dire, être capable de mettre une gouvernance globale sur la gestion de ce risque-là, d'identifier, de quantifier, de mitiguer ces risques. Encore une fois, je dirais que c'est une approche qui est absolument cohérente avec ce que l'on peut voir dans d'autres types de risques, mais néanmoins, on l'a adapté à la problématique du risque digital, dans la mesure où le risque digital, il est vrai, c'est un risque comme les autres dans l'entreprise, néanmoins, il a des particularités propres, telles que être complètement transverse au sein de l'ensemble de l'organisation de l'entreprise, et ça, c'est assez rare en type de risque, et pour lequel, donc, on a adapté à l'AMRAE les conditions pour être en mesure d'apprécier ce type de risque digital. Mais ceci n'a de sens que si elle permet d'orienter une politique de sécurité d'information qui est ce qui est la roue d'en dessous, la roue bleue, et pour laquelle on va déployer toute la logique, toutes les étapes de gestion d'une politique de sécurité des systèmes d'information qui soit pertinente, efficace et permette à l'entreprise d'être résiliente, mais orientée, dirigée, tracée par rapport à une véritable stratégie de l'entreprise et par rapport à des choix stratégiques qui ont été faits par le management, par rapport à des priorités de l'entreprise. Et je pense que c'est ça qu'on a fait. On a fait en sorte de pas mettre la charrue avant les bœufs, de faire en sorte que la technique en tant que telle, elle doit être guidée par des priorités de l'entreprise, par la priorité business, qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'entreprise elle-même qui est en danger face à un risque digital. Et je crois que c'est aujourd'hui cette cohérence-là qui permet d'avoir une gestion du risque digital qui soit la plus efficiente pour l'intérêt de l'entreprise. Alors, ce guide a une structure en 4 phases. Et comme le disait Fabien, on va aller progressivement le long de ces 4 phases pour essayer de vous faire comprendre comment celle-ci se déploie pas à pas pour permettre d'avoir une efficacité et une maturité dans cette gestion du risque digital. Tout d'abord, il faut prendre la mesure du risque, et je pense que ça, c'était une étape qui a été longtemps ignorée et pour laquelle il faut absolument qu'on fasse un effort majeur de sensibilisation au sein de toutes les organisations. Ensuite, il faut comprendre et s'organiser parce que, encore une fois, on a fait face à des questions du type « mais ce risque digital, il est partout dans l'entreprise, comment faire ? Par où commencer ?» Et là on a vraiment essayé de développer un certain nombre de problématiques qui permettent d'avancer de cette phase-là. Une fois qu'on a bien compris, bien organisé, il faut bâtir son socle de sécurité. Et ça, c'est important de le bâtir d'une manière qui soit la plus efficace possible. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, il faut continuer à piloter ce risque-là et aussi valoriser tous les efforts qui ont été faits de façon à pouvoir permettre de mettre l'entreprise ou l'organisation dans la meilleure position possible dans son environnement. Alors, prendre la mesure du risque, eh bien, ça paraît à la fois banal et je pense que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ils ont déjà dépassé cette étape-là. Néanmoins, force est de constater, et nous, dans le cadre de l'AMRAE, on le voit bien, pour beaucoup de petites et moyennes entreprises, on le voit aujourd'hui, la reconnaissance de la mesure de ce risque digital dans ces organisations n'est pas forcément évidente. Pourquoi ? Parce qu'elles ne se considèrent pas comme étant une cible potentielle, parce qu'elles considèrent qu'elles n'ont pas d'intérêt majeur, et alors qu'elles-mêmes ont au contraire un intérêt majeur à prendre cette exposition en main, parce qu'elles ne sont peut-être pas forcément techniquement les plus solides pour faire face à une attaque cyber, et par ailleurs, économiquement, elles ne sont pas forcément les plus robustes pour durer
face à une crise. Et pourtant, cette prise de connaissance, cette prise de mesure du risque cyber, elle doit être non seulement prise au niveau technique, mais au niveau management. C'est bien l'entreprise elle-même qui est en danger, pour lequel aujourd'hui, la digitalisation fait partie aujourd'hui, est au cœur même du développement de chacune de ces entreprises. Je vais juste compléter sur cette phase de prise de conscience, sur le fait qu'elle concerne cette prise de conscience également le dirigeant lui-même. Elle va concerner le dirigeant lui-même. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un risque qui peut s'externaliser complètement. Il va falloir que le niveau de direction monte en compétence sur le risque. Et le deuxième point, c'est que dans le traitement du risque, cela va engager toutes les ressources de l'entreprise, pas simplement une partie de l'entreprise. Donc, non seulement le niveau de direction va devoir monter en compétence, mais il va devoir après progressivement mettre en mouvement toutes les ressources de l'entreprise. Cette phase de prise de conscience, elle est indispensable pour avoir une implication du niveau de direction vis-à-vis de ces enjeux qui sont majeurs pour l'entreprise. Parce que c'est un risque qui est multiforme. Donc, effectivement, la prise de conscience du fait que mon entreprise, elle est à risque et qu'il y a un risque digital qui affecte mon entreprise là, il est réel parce qu'il s'insinue dans toutes les différentes phases et dans toutes les problématiques propres à l'entreprise, dans toutes ses dimensions. Et je dirais que ce qui est véritablement important, c'est de constater que c'est un sujet sur lequel les dirigeants doivent reprendre la main. Les dirigeants ont fait des choix forcément pour améliorer l'entreprise, pour la rendre plus efficace, et ce sont des choix qui ont entraîné des développements digitaux, parce qu'il y avait des vraies opportunités, parce qu'il y avait des nouveaux développements, mais ces choix-là ont parfois été faits sans avoir conscience des risques et des expositions nouvelles à laquelle l'entreprise allait être confrontée. L'idée de ce guide-là, c'est de redonner aux dirigeants les manettes pour arbitrer, faire les choix, prendre conscience de ce que la digitalisation a entraîné en termes de gestion de risque. Et nous pensons que c'est de leur responsabilité au final qu'il est question, parce que en cas de crise, c'est potentiellement la réputation d'une entreprise qui est en jeu. C'est des questions simples qui vont être posées aux dirigeants. Qu'avez-vous fait ? Que saviez-vous ? Avez-vous pris les bonnes dispositions pour protéger les intérêts de l'entreprise, des salariés, des clients, potentiellement des actionnaires ? Et c'est cette dimension-là que l'on veut redonner, parce que ce n'est évidemment pas une responsabilité purement technique. Alors, une fois qu'on a passé cette étape-là, la question évidente, c'est « Ok, j'ai un risque digital qui affecte mon entreprise, comment faire ?» Alors, on a établi 6 étapes. On ne va pas les détailler de manière très précise, et je vous recommande encore une fois de vous pencher sur le guide, mais on va essayer de vous peindre très rapidement, d'esquisser les points fondamentaux de ces différentes étapes. Pourquoi ? C'est qu'on a besoin, dans cette phase-là, de construire un modèle de gestion du risque en impliquant les bonnes personnes et en faisant en sorte que ce modèle de gouvernance soit pérenne. Soyons clairs, le risque digital, c'est un risque qui évolue dans le temps. Les technologies évoluent dans le temps, les menaces évoluent dans le temps. Le processus que l'on est en train de démarrer, c'est un processus qui ne s'arrêtera pas. Néanmoins, la gouvernance, le cadre dans lequel cela va être mis en place, lui, par contre, il faut qu'il soit stable. Il faut mettre en place une organisation claire qui brise les silos entre métier et technique, de façon à ce qu'ensemble, on ait un consensus sur les expositions d'entreprise, les actions à mettre en place pour y faire face. Alors, la gouvernance, effectivement, c'est être en mesure, alors je vais utiliser des termes qui sont un peu techniques, la première ligne et la deuxième ligne de défense, ça
c'est-à-dire les métiers les plus opérationnels et les métiers de support, à travailler ensemble pour identifier, quantifier, mesurer à la fois les expositions et les propositions de mitigation, de façon à ce que les décisions soient prises au niveau de la direction sur les bonnes orientations à prendre en place, et permettre à la troisième ligne de défense, l'audit, de pouvoir jouer son rôle d'alerte dans l'établissement de tous les processus de contrôle et de gestion de cette exposition-là. C'est un travail qui nécessite de briser les silos, de faire ensemble qu'on ait toutes les fonctions majeures de l'entreprise qui soient associées dans cette dans ce processus-là. Voilà. Ensuite, la phase suivante est une phase qui amène à essayer de comprendre son activité numérique pour pouvoir après bâtir sa stratégie. Sur ce plan-là, je voulais faire un zoom sur la méthode d'analyse de risque de l'ANSSI qui s'appelle EBIOS Risk Manager, qui a été lancée maintenant il y a un an et qui permet d'opérationnaliser ce guide, qui permet d'apporter les outils pour pouvoir bien construire ce guide. En particulier, dans cette phase essentielle pour comprendre son activité numérique, on va retrouver une des valeurs ajoutées de la méthode qui est de comprendre et de cartographier son écosystème. C'est la partie gauche de la slide avec le nuage est là pour représenter le fait que maintenant, une entreprise, dans le sens d'une entreprise étendue, interagit en permanence avec un certain nombre de partenaires. Ça peut être bien sûr les clients et les fournisseurs, mais ça peut être également des partenaires, voire l'État, l'administration. Et à chaque fois, on interagit avec des outils numériques et on est plus ou moins interdépendant et interconnecté. EBIOS Risk Manager va vous permettre, d'une part, de comprendre... le décor s'en va, de comprendre la manière dont votre activité est structurée, la manière dont vous interagissez avec votre écosystème, puis elle va vous permettre d'évaluer les différentes parties prenantes en fonction de la dangerosité de votre relation avec eux, de la vulnérabilité de votre relation avec eux. Pour faire simple, pour une partie prenante, on va regarder notre relation numérique à travers quatre paramètres, la pénétration, si jamais un attaquant est chez cette partie prenante, jusqu'à quel niveau il est chez moi, la dépendance, si jamais cette partie prenante tombe à cause d'un ransomware, par exemple, est-ce que je tombe avec la maturité cyber de cette partie prenante, puis la confiance qu'on peut avoir en elle. Au travers de ces quatre critères, on va avoir une note. Cette note représente la vulnérabilité de notre relation cyber et on va pouvoir placer nos parties prenantes sur un radar. Parce que étant officier de marine, les radars, ça me parle. Donc, les parties prenantes les plus dangereuses seront au plus proche du centre. Ça va nous permettre de comprendre notre écosystème, de le cartographier et d'établir une stratégie pour pouvoir le maîtriser derrière. Donc ça, c'est le premier point. EBIOS Risk Manager va nous aider dans la compréhension de notre activité numérique. Le deuxième point, c'est que dans le phasage, ensuite, on va construire des scénarios de risque. Les scénarios de risque les plus dangereux qui vont nous permettre de poser notre réflexion et de mettre en place notre stratégie. De la même manière, pour construire ces scénarios, on peut utiliser EBIOS Risk Manager qui est conçu pour faire des scénarios dits stratégiques. La finalité, c'est d'avoir un jeu de scénarios représentatifs, 5-6 scénarios qui sont les plus dangereux et les plus crédibles et sur lesquels on va pouvoir bâtir. Donc, un scénario représentatif au sens d'EBIOS Risk Manager, c'est quoi ? C'est déjà un scénario simple et de bout en bout. On part bien d'une menace qui a un objectif qui peut être financier, qui peut être du sabotage, qui peut être de l'espionnage. Et cette menace va essayer de vous atteindre en rentrant par les vulnérabilités de votre écosystème, d'avoir un impact sur votre activité, donc de faire un événement redouté. Donc une menace qui exploite les vulnérabilités de l'écosystème, qui vous impacte et qui fait un événement redouté chez vous pour atteindre sa cible. Pour pouvoir faire ça en amont, il faut avoir fait une étude de ces menaces pour sélectionner les plus pertinentes et avoir étudié son écosystème. Une fois que l'on a fait ces scénarios, eh bien, on va pouvoir évaluer l'impact de ces scénarios et travailler sur la stratégie de mitigation. Alors, cette identification de scénarios au sein d'une entreprise, elle nécessite d'avoir les métiers, toutes les fonctions ensemble, qui sont celles qui connaissent le mieux
le business. Et de faire en sorte de les associer à une démarche différente. C'est-à-dire, imaginez que vous êtes de l'autre côté, que vous êtes l'attaquant qui veut avoir un impact majeur sur l'entreprise. Quelle serait votre cible prioritaire pour être le plus efficace? Et faire en sorte que cette démarche-là, elle soit encadrée par des experts cyber, qui vont expliquer à ces métiers quelle est la mentalité, la motivation et les critères d'efficacité qui vont diriger les attaquants. C'est une approche qui n'est pas technique, parce qu'on va associer des gens qui n'ont pas forcément une connaissance pointue de la cyber, mais par contre, ils ont une connaissance pointue des métiers. Et quelque part, c'est une démarche qui pourrait ressembler beaucoup à celle des vrais attaquants, pour lesquels on s'aperçoit que dans de nombreux cas, il s'agit d'avoir des commanditaires qui connaissent très bien les métiers, les entreprises, et qui ont par contre une connaissance faible des aspects cyber, mais qui sont capables de diriger les experts attaquants vers des cibles et vers les objectifs qu'eux-mêmes ont définis. Une fois qu'on a défini ça, on va créer un scénario. Et un scénario sur lequel on va essayer de les amener à développer la configuration aval, c'est-à-dire la configuration à partir du moment où l'événement a eu lieu, que se passe-t-il pour l'entreprise? Quelles sont les fonctions qui sont impactées? Quels sont les assets qui sont impactés? Combien de temps l'entreprise devra attendre pour être capable de reprendre l'activité de manière dégradée ou nominale? Et quelles sont les motivations et les types d'attaques qui vont être les plus efficaces par rapport à ça? On va avoir effectivement ces 5-6 scénarios qui vont être importants parce qu'ils vont être validés à la fois par les métiers comme étant crédibles et validés par la technique comme étant potentiellement faisables. Et on parle effectivement de scénarios catastrophes, donc avec une probabilité faible. Mais néanmoins, on veut à la fois être capable de dire ces scénarios sont possibles du point de vue business et les impacts que l'on a listés au cours du temps sont bien ceux que l'entreprise devrait avoir à faire face. Et par ailleurs, c'est un scénario faisable techniquement. Une fois qu'on a fait ça, j'ai juste apporté un petit disclaimer, probabilité faible, malheureusement, dans l'état de maturité actuel de l'écosystème numérique. Les probabilités sont un petit peu plus fortes, mais on espère que rapidement ces scénarios catastrophes auront une probabilité faible. Mais généralement, quand on les fait pour la première fois, on découvre qu'on n'est pas dans une situation très confortable. Alors, une fois qu'on a fait ça, on est capable derrière de pouvoir quantifier financièrement ces scénarios. Pourquoi ? Parce qu'on a demandé au métier de pouvoir détailler vraiment phase par phase, phase de crise, phase de remédiation, phase de vigilance, l'ensemble des actions qui vont être effectuées pour permettre de remettre l'entreprise sur les rails. Et fonction par fonction, étape par étape, on va donner les éléments pour permettre aux contrôleurs financiers qui suivent le business de pouvoir quantifier chacune de ces phases-là, à la fois en termes de montant, mais en termes de nature d'exposition. Et ça, c'est une grande valeur. Pourquoi ? Parce que ça permet à la fois de donner un chiffre, et pour la première fois, on est capable de donner véritablement aux dirigeants des aspects financiers qui sont validés par le business, et c'est ça le plus important. Il n'y a pas de chiffre absolu. Mais par contre, si on a un chiffre qui correspond à un consensus qui a réuni toutes les parties prenantes qui connaissent le mieux la situation, on peut considérer que ce chiffre-là, il commence à être crédible. Et par ailleurs, au-delà de ce chiffre-là, on a une nature de coût. Et cette nature de coût, elle va aider le risk manager à pouvoir aussi commencer à piloter la phase de couverture d'assurance parce que les différents types d'exposition peuvent être couvertes de différentes manières possibles. Donc, c'est à la fois une double dimension financière et en termes de nature d'exposition qui est très riche pour le risk manager. Une fois qu'on a fait ça, que fait-on ?
on en est encore à la phase de découverte de la situation telle qu'elle est. Le dirigeant va dire, mais très bien, vous m'apportez un problème, apportez-moi une solution. Et c'est la raison pour laquelle on va leur travailler ensemble à une définition d'un plan de mitigation stratégique. Cette définition-là, elle va consister en quoi ? Elle consiste à essayer de définir, par rapport à ces scénarios catastrophes, quels sont les chemins d'attaque qui sont les plus crédibles. Et ça, c'est effectivement une compétence technique qui est en jeu. Et là, on a besoin d'avoir des experts techniques qui vont, dans le cadre de l'infrastructure digitale de l'entreprise et en fonction des vulnérabilités des assets digitaux de l'entreprise, être capable de créer ce chemin d'attaque qui va permettre à ce scénario de se réaliser. Alors, une fois qu'on a ça, c'est au ensemble business et technique de définir des propositions de mitigation. Ces propositions de mitigation, elles peuvent être techniques, de façon à couper la capacité d'un attaquant à parcourir ce chemin d'attaque-là. Mais elle peut être aussi organisationnelle. Et en fait, c'est la confrontation entre les deux face à un problème où il y a un chemin d'attaque qui était défini, qui permet de proposer la meilleure des solutions, qui n'est pas forcément que technique. Elle peut être technique, process ou organisationnelle. Et c'est ça qui va permettre à un scénario catastrophe donné d'être soit réduit en termes d'impact, soit être beaucoup plus compliqué à mettre en place du point de vue probabilité, comme tu le disais, Fabien. Et c'est cette dimension-là qui, au final, de manière synthétique, doit être présentée aux dirigeants de façon à ce qu'il ait des arbitrages clairs à faire en termes d'allocation de ressources internes et de choix d'investissement, que ce soit sur la partie technique, organisationnelle ou process. Mais enfin, au moins, pour la première fois, il a en main combien l'entreprise peut perdre financièrement dans le cadre d'un risque cyber, quels sont les investissements à réaliser de façon à ce qu'ils soient les plus efficaces ou mettre l'argent le mieux possible pour être capable de mieux protéger l'entreprise. Je vais juste compléter un point parce que c'est une avancée qui est très importante dans le monde de la sécurité numérique, cette avancée-là. Si on positionne cette décision au niveau du dirigeant, si on fait effectivement une approche globale sur la manière de réduire et de mitiguer le risque, on sort de ce qui était fait précédemment, c'est-à-dire un arbitrage au sein de la DSI, où finalement on va regarder que les solutions techniques et on va faire des arbitrages entre des projets de transformation numérique qui sont essentiels pour la croissance de l'entreprise et de la sécurité. Or, ce n'est pas le sujet. Un risque, ça se compare avec un risque, ça ne se compare pas avec un sujet de transformation numérique. Et effectivement, on peut réduire le risque en faisant des arbitrages qui ne sont pas forcément des arbitrages de la sécurité numérique, qui peuvent être des arbitrages sur la sécurité physique, sur l'organisation, sur la manière dont on va gérer nos contrats avec nos partenaires. Donc, replacer ça au niveau du dirigeant et faire cette étude de mitigation en prenant en compte toutes les ressources de l'entreprise qui sont impliquées, c'est une avancée et c'est une avancée qui est importante. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'étape d'assurance parce qu'effectivement, les ressources de l'entreprise sont limitées. Elle doit en priorité allouer ces ressources-là pour protéger l'entreprise. Néanmoins, on ne peut pas tout protéger. Et c'est là où le déploiement d'une couverture d'assurance est efficace. Alors, j'entends bien, elle est efficace, mais dans le nombre de réunions que j'ai pu avoir avec centres de communautés, notamment des communautés techniques, il y a à la fois un scepticisme sur la capacité à ces couvertures à être efficaces dans le cas d'un sinistre, et compliqué pour éventuellement des risques managers dans la recherche des informations à fournir aux assureurs pour leur permettre de donner une couverture. De la même manière, on a vu côté assureur une sorte de frustration sur la capacité à avoir les informations suffisantes pour bien comprendre le risque digital d'une entreprise, et aussi sur le fait que les couvertures n'étaient pas forcément appréciées à leur juste valeur. On a travaillé sur ces sujets-là parce que je pense que c'est important d'utiliser l'outil d'assurance cyber comme étant un outil performant, perfectionné, mais qu'il faut utiliser
de manière, comment dire, la plus intelligente possible. Avec quelques règles simples, de bon sens. C'est que le travail que l'on a mené jusque-là, c'est un travail qui doit permettre au risk manager de connaître son risque et d'être capable de connaître son besoin en termes d'assurance. Et ça c'est un premier point. C'est au risk manager de pouvoir connaître son besoin. Ensuite, le deuxième conseil, c'est d'être capable de l'exprimer clairement et de l'exprimer clairement avec l'aide potentiellement de son courtier, son agent, de façon à être capable de pouvoir dialoguer avec l'assureur en étant clair à la fois sur mon processus d'identification et de mitigation de mon exposition, mes besoins de couverture, qu'est-ce que je mets en place dans l'entreprise pour être mature dans ma gestion des risques. Et avec ça, on doit être capable d'avoir un dialogue de qualité. Qu'est-ce que c'est un dialogue de qualité? C'est-à-dire, c'est un dialogue qui va être non pas de remplir un questionnaire de manière sibylline avec des questions qui parfois aussi sont complexes et où le rationnel entre la question et l'intérêt de la réponse dans la définition de l'offre, il n'est pas évident. Non, ce qu'on a essayé de développer, quelles sont les informations qui sont les plus pertinentes et qui sont au sein de l'entreprise, qui vont permettre à l'assureur d'avoir une idée de la nature du risque chez les entreprises. Et ensuite, la deuxième chose que l'on a essayé de développer, c'est quelles sont les différentes couvertures d'assurance cyber possibles qui existent. Pourquoi? Parce que l'assurance cyber, elle est multiforme. Et on a défini 4 blocs: prévention, assistance en gestion de crise, dommages ou responsabilité, qui sont des 4 blocs majeurs dans lesquels on va avoir des modules qui vont exister, pour lesquels, entreprise par entreprise, on va avoir des choix qui vont être faits sur des sensibilités spécifiques, que ce soit en termes de taille de l'entreprise, d'investissement, de connaissance du risque technique, d'activité, service, manufacturing, international, local. Tout ceci a un sens et c'est cette double connaissance à la fois de quelles sont les informations qui sont les plus pertinentes et quels sont mes besoins en termes de couverture qui vont permettre ensemble d'échafauder un projet de couverture qui sera la plus efficace parce qu'elle répondra aux besoins de l'entreprise au meilleur prix. On arrive à la fin de la deuxième phase. À la fin de la deuxième phase, on a compris, on s'est organisé. On a mis en place sa stratégie globalement. Maintenant, on va commencer à dérouler sa stratégie. Pour la faire dans l'ordre, la première des choses à faire, ça va être de retourner dans la technique et d'atteindre ses objectifs au niveau technique. Et là, on revient dans le monde de l'ANSSI parce qu'il va falloir bâtir un socle de sécurité. Ce socle de sécurité va nous permettre de réduire les risques à un minimum acceptable et après de pouvoir gérer les risques résiduels. Qu'est-ce que l'on entend par socle de sécurité? La première des choses à faire dans les fondamentaux du socle de sécurité, ça va être de se concentrer sur l'humain. L'humain au centre du jeu. Si on peut passer sur la slide suivante, merci. L'humain au centre du jeu, pourquoi? Parce que on a l'habitude de dire que l'humain, c'est la première porte d'entrée, c'est la première des vulnérabilités, c'est le principal problème en sécurité numérique. C'est aussi la principale solution, c'est aussi le principal atout. Si on se place du côté de l'attaquant, qu'est-ce que l'attaquant craint le plus? L'attaquant va craindre le plus, de manière caricaturale, 2 choses. La première, c'est une politique de maintien en condition de sécurité qui soit très rapide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre capacité à fermer les failles, fermer les vulnérabilités le plus rapidement possible. Parce que pour l'attaquant, c'est compliqué de rentrer dans le système, c'est compliqué d'évoluer dans le système et c'est compliqué de s'y maintenir. Et pour faire ça, il utilise des vulnérabilités. Et si on lui ferme des portes, et bien même quand il est dans le système, il est obligé de ressortir et de re-rentrer. Cette agilité-là, in fine, elle repose sur l'humain. Elle repose sur l'organisationnel. Le deuxième point, c'est que l'attaquant va craindre des collaborateurs, des utilisateurs, des administrateurs qui sont impliqués et avertis. Pourquoi? Parce que quand vous avez une défense technique en face, des antivirus, des firewalls, on peut les contourner, ces défenses techniques. Mais quelqu'un qui voit un signal faible, qui a bien compris qu'il y avait potentiellement un loup qui voulait rentrer ou qui était déjà dans l'entreprise et qui fait remonter ce signal faible,
un utilisateur qui voit un mail qui est visiblement un mail piège, un administrateur qui voit un ordinateur qui commence à se comporter bizarrement, qui commence à avoir des scans dans son réseau, eh bien là, on est capable de voir l'attaquant et de le chasser. Et n'oubliez pas qu'un attaquant, il fait du bruit. Il avance à tâtons dans votre système, il va faire du bruit. Donc, il va essayer de se cacher des systèmes techniques qui sont là pour le détecter. Il va avoir plus de mal à se cacher de l'humain. L'humain, comment est-ce qu'on fait cette bascule? Comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde ne subisse pas la sécurité numérique, mais soit un acteur de la sécurité numérique? Il y a un triptyque. Ce triptyque, c'est formation, sensibilisation, entraînement. La formation, ça se fait en amont. C'est à l'école, l'éducation nationale. C'est également dans la formation continue. C'est pour ça que l'ANSSI labellise des formations continues avec le label SECNUMEDU, formation continue. Donc, ça se fait à l'extérieur de l'entreprise. La sensibilisation, ça va se faire dans l'entreprise et on va contextualiser. Et là-dessus, l'analyse de risque et nos risques stratégiques sont très importants. Ils doivent être réutilisés dans les sensibilisations pour faire comprendre à tout le monde quelle est la réalité de la menace et ce qu'elle veut faire sur les systèmes. Et puis faire comprendre à tout le monde aussi son rôle et comment il peut réagir et il doit réagir. Là-dessus, le MOOC de l'ANSSI peut aider à apporter du contenu dans la sensibilisation. Et enfin, le troisième point, et pour les entreprises les plus avancées, c'est l'entraînement. L'entraînement parce que même si on a compris et on est impliqué, on a autre chose à faire. Et de temps en temps, si on n'est pas stimulé par des faux mail phishing, d'hameçonnage, par des faux sites qui rendent réelle la menace, on a du mal quand même à s'impliquer. Et là-dessus, je voulais citer le travail que je connais bien de la Marine nationale, parce que la Marine nationale a mis des moyens avec un centre de support à la cyberdéfense qui est dédié vraiment à l'entraînement. Et pour le coup, elle est partie d'une situation où, comme tout le monde, elle avait des utilisateurs, des marins qui n'étaient pas franchement impliqués dans la sécurité et qui considéraient que c'était une contrainte. Après être passé jusqu'à cette phase d'entraînement qui est assez pointue, maintenant elle a des marins qui sont devenus des cybercombattants parce que c'est dans leur ADN, mais qui participent vraiment à la cybersécurité, ça devient plus compliqué pour l'adversaire. Voilà, ça c'est le triptyque humain. On commence par ça, l'humain au centre du jeu. Ensuite, on va s'intéresser à nos systèmes d'information les plus critiques. C'est l'homologation de sécurité. L'homologation de sécurité, donc vous avez à gauche le guide d'homologation de sécurité qui est proposé par l'ANSSI. Vous pouvez cliquer sur les liens voilà, pour faire apparaître la démarche. Je ne vais pas rentrer dans la démarche parce que c'est vraiment une démarche de RSSI, mais qu'est-ce que l'on veut dire par là? On homologue que ces systèmes les plus critiques parce que c'est assez lourd l'homologation de sécurité. Néanmoins, on a les systèmes les plus critiques ou les services numériques les plus critiques, il faut les regarder de manière unitaire, précisément. Et l'homologation de sécurité, ça sert à impliquer le décideur sur ces systèmes-là pour pas que cela reste un problème du RSSI ou de la DSI. C'est vraiment une démarche de management du risque où on va progressivement amener une compréhension du risque, une diminution du risque et une décision du décideur sur le traitement des risques résiduels avec une responsabilité du décideur. Sur ce travail-là, le RSSI ne peut pas le faire tout seul. Le binôme RSSI Risk Manager est important. Pourquoi? Parce qu'on va demander un changement de culture au RSSI. Jusqu'à présent, le RSSI, c'est l'expert qui connaît et qui apporte la solution. Là, vis-à-vis d'un décideur, c'est l'expert qui connaît et qui éclaire la décision. Il doit faire comprendre au décideur le risque et lui proposer une décision. Ça n'est pas forcément dans l'ADN des RSSI. Par contre, c'est dans l'ADN des Risk Managers. Donc, le binôme RSSI Risk Manager dans l'homologation de sécurité est très important. Absolument. Et pour nous, Risk Manager, il ne faut pas considérer que ce processus-là est un processus purement technique auquel on n'a aucune valeur ajoutée. Il faut qu'on soit capable de dialoguer avec le RSSI, non pas pour le challenger, mais pour être capable de comprendre quels sont les systèmes qui ne sont pas forcément encore complètement homologués, qui ne sont pas à jour, et pour lesquels il y a une exposition pour l'entreprise, de façon à être capable de pouvoir donner une dimension business financière qui va être en miroir de l'exposition technique. Alors après, une fois que l'on a fait ces systèmes les plus critiques, il faut faire tout le reste. Dans la politique de sécurité, on va, juste la suivante, voilà, on va développer progressivement nos capacités qui vont englober toute notre activité numérique. Ces capacités vont reposer sur cette gouvernance que l'on a mise en place, qui permet de faire de la priorisation, de la stratégie, de l'amélioration continue, du pilotage et la performance. La première des choses, next slide, la première des choses, ça va être la protection. Tout ce qui se fait en amont. Dans la protection, vous allez retrouver les bonnes pratiques,
Globalement, on va construire notre enceinte de sécurité, notre défense en profondeur d'un point de vue architecture. Dans le guide, on l'a élargi aussi à la protection juridique. Toute cette prise en compte qui est en amont, qui va complexifier le travail de l'attaquant. Ensuite, on est dans l'activité. Ça ne va pas suffire, la protection. Il va falloir surveiller l'activité numérique pour détecter l'attaquant et gérer les incidents, repousser l'attaquant lorsqu'on doit répondre à des incidents. Ça, c'est la phase de défense. Une fois que l'on a fait ça, ça ne va pas suffire non plus, parce que maintenant, le niveau de technicité des attaquants est tel que malgré tout, certains vont arriver à passer et vont dépasser nos capacités de réponse. On va rentrer en crise. Donc, on va arriver sur la résilience avec l'intégration du domaine du numérique, de la sécurité du numérique dans la gestion de crise des entreprises pour pouvoir prendre en compte cela dans les PCA-PRA, prendre en compte cela dans la couverture assurantielle et prendre en compte cela dans les entraînements à la gestion de crise. Alors, si on regarde un petit peu l'évolution des dernières années, on se rend compte que le monde de la protection, c'est le monde des années 90. Dans les années 90, on était face à des virus. On a créé les antivirus, les firewalls, etc. Puis, la menace a été capable de passer par-dessus ces virus et ces firewalls. Donc, on a développé aussi des capacités de défense. C'est à ce moment-là, dans les années 2000-2010, que l'on a vu arriver des services de sécurité du type IDS, SIEM, SOC, pour parler un petit peu technique, mais qui permettent de surveiller les systèmes, détecter la menace, et puis les CERT aussi, qui permettent de répondre aux incidents. Maintenant, on arrive dans la décennie 2020. Dans la décennie 2020, ça va être la décennie des capacités de résilience, où quand l'adversaire va arriver à franchir tout ça, cette protection, cette défense, forcément, on sera sur du haut niveau, et on est déjà là. Donc, il va falloir gérer notre résilience et être capable de correctement gérer les crises. Et ce qui est intéressant dans le travail qu'on a mené ensemble avec Fabien, c'est que même sur cette phase qui est technique, on s'aperçoit que la gestion de crise, les plans de continuité d'activité, les plans de reprise d'activité, ce sont des problématiques qui sont connues de la part des risk managers. Il est important qu'on prenne aujourd'hui les rênes pour également être moteur dans la gestion, dans la mise en place de ces exercices de gestion de crise et dans ces plans de continuité et plans de reprise d'activité qui doivent intégrer la dimension digitale. Donc, c'est à nous de faire en sorte qu'on intègre le digital dans l'ensemble de nos processus de gestion de risque. Alors, je voulais citer un exemple sur la partie résilience, sur la gestion de crise, en vous conseillant d'aller voir la dernière interview du président directeur général d'Altran suite à l'attaque informatique qu'ils ont subie. Pourquoi ? Parce qu'il parle de la gestion de crise. Et Altran, c'est quand même une entreprise qui est mature dans le domaine. Néanmoins, qu'est-ce qu'il dit dans cette gestion de crise ? Il dit on était mal préparé face à la violence de l'impact. On était mal préparé pourquoi ? Parce que dans nos scénarios de gestion de crise, on n'avait jamais imaginé qu'on pouvait arriver dans une situation où non seulement le pic de la crise a mobilisé 150 personnes, mais en plus, on n'avait plus de communication. Et faire de la gestion de crise sans communication, ce n'est pas facile. Deuxième point qui est remonté dans ce défaut de préparation qui est bien légitime, c'est que la couverture assurantielle n'était pas au niveau non plus. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que 2020, quand on a fait notre approche progressive, c'est vraiment l'année de la préparation. Qu'est-ce que l'on va attendre d'un risk manager dans ce contexte-là, c'est-à-dire ce socle de sécurité, protection, défense, résilience. La première des choses, c'est d'être en mesure d'évaluer la maturité. Parce que ça ne sert à rien de parler résilience si on est encore, comme on dit dans la sécurité numérique, collé dans les années 90. Si l'entreprise considère que la sécurité numérique, c'est l'antivirus, du firewall, et si les collaborateurs ne sont pas impliqués, il y a du travail à faire en amont. Donc, il y a déjà cette partie maturité. Et après, sur la partie résilience, effectivement, il faut intégrer la sécurité numérique à bon niveau en prenant le retour d'expérience dans la gestion de crise. Next. Alors, on arrive à la dernière phase qui est piloter et valoriser. Tout ce qu'on a fait, c'est très bien. Et on aimerait pouvoir dire, une fois qu'on a fait tout ça, on a fini. Eh bien non. C'est ça, en fait, aussi, qui est un enjeu majeur pour le risque digital, c'est que contrairement à prenez le risque incendie, une fois que vous avez mis des sprinklers dans vos bâtiments, eh bien, considérez que quelque part le risque est géré. Dans le digital, le processus il est sans fin. Et il faut être capable de donner en interne les bons messages sur le fait que c'est un mouvement perpétuel. C'est la raison pour laquelle on a choisi
le symbole des roues, et d'être capable de piloter constamment la performance et de l'entreprise dans la gestion du risque digital. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, elle évolue. Elle évolue dans toutes les dimensions. D'abord parce qu'elle intègre de nouvelles entreprises avec de nouveaux systèmes d'information qui vont faire que le périmètre de l'exposition d'entreprise, il va changer. L'entreprise, elle change aussi parce que les services, ils vont évoluer. Parce que la digitalisation va faire que peut-être demain, on aura de l'intelligence artificielle qui sera intégrée dans les outils de production. On aura de nouvelles problématiques de gestion de risque parce que l'activité, elle évolue, parce que les services, ils évoluent, mais parce que les technologies, elles évoluent aussi, et parce que les menaces, elles évoluent. Tout ceci fait qu'on ne peut pas se contenter de dire, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a mis ce socle de sécurité, ce pilotage de l'exposition, on sait quels sont nos scénarios, on a fait notre mitigation, on a mis en place un socle de sécurité, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. C'est juste que quelque chose qui doit être continuellement piloté et mesuré. C'est la raison pour laquelle on a besoin de mettre en place un processus d'amélioration continue. Cette amélioration continue, c'est dans la prochaine slide, c'est être capable de pouvoir continuellement être au courant de ces évolutions du périmètre d'exposition dans toutes ces dimensions. Il faut être capable de faire remonter les changements de périmètre de l'entreprise, l'intégration de nouvelles technologies, les choix qui sont faits en termes de développement, les nouvelles menaces, les nouvelles vulnérabilités d'asset critique, de façon à ce que les scénarios catastrophiques soient revus, réanalysés, peut-être différenciés, vérifier que les plans de mitigation qui ont été décidés sont bien mis en place et sont bien effectués, et faire en sorte que, ensemble, tout ce processus de socle, de gouvernance, protection, défense et résilience, il soit continuellement à jour et efficace. Alors, je voulais juste rebondir sur cette slide-là. Vous voyez le terme PAX, le plan d'amélioration continue de la sécurité. Qu'est-ce qui est important pour nous, l'ANSSI, dans ce plan d'amélioration continue, c'est que les quatre piliers de la sécurité numérique soient bien pris en compte dans le PAX, c'est-à-dire la gouvernance, la protection, la défense et la résilience. Vous pouvez aussi utiliser le framework du NIST. Pour ceux qui utilisent le framework du NIST, ça marche aussi. Les deux frameworks sont compatibles. Ce que l'on constate, c'est en règle générale, en termes de gouvernance et de protection, c'est bien pris en compte. En termes de défense, un peu moins. En termes de résilience, beaucoup moins. Donc, c'est important dans notre amélioration continue de bien cibler les quatre piliers de la cybersécurité. L'amélioration continue va de pair donc avec le pilotage de la performance. Le pilotage de la performance, ça doit nous amener à quoi ? Ça doit nous amener à être en mesure, avec les bons indicateurs, d'évaluer notre retour sur investissement, de vérifier si tout l'argent qu'on met dans la sécurité numérique est bien pertinent, si on est bien efficient. Alors, next slide, s'il vous plaît, la prochaine, voilà. Ce que l'on recommande à l'ANSSI pour mesurer cette efficacité, c'est de mesurer trois valeurs. L'intelligence, l'agilité et l'engagement. L'intelligence, c'est la première, c'est la plus fondamentale, c'est celle qui va nous permettre de faire cette amélioration continue, nous permettre d'être efficace. Qu'est-ce que l'on mesure dans l'intelligence ? On mesure l'évolution de notre écosystème, l'évolution des menaces, l'évolution de nos vulnérabilités et l'évolution réglementaire qui devient de plus en plus importante pour les entreprises. Ça, cette connaissance-là, cette veille-là, va nous permettre de travailler sur notre agilité. Notre agilité, c'est notre PACS, notre plan d'amélioration continue de la sécurité. On peut regarder dans quelle mesure on est suffisamment agile dans la mise en œuvre de notre PACS sur les quatre grands domaines que j'ai cités précédemment. Et le deuxième point, c'est l'humain. L'humain, c'est l'engagement. Comment est-ce qu'on mesure si nos collaborateurs sont effectivement bien engagés ? On va pouvoir le mesurer, bon, sous forme d'enquête, hein, mais sur trois critères. Le premier, c'est l'autorité, l'implication du management. Globalement, si je suis un employé dans l'entreprise, est-ce que c'est important pour mon chef ? Si c'est important pour mon chef, c'est important pour moi. Le deuxième point, c'est la compétence. C'est important pour mon chef, mais est-ce que j'ai compris les menaces qui sont en face de moi ? Est-ce que je sais ce que je dois faire pour pouvoir réagir si je vois des signaux faibles ? Et le troisième point, c'est les moyens. Parce qu'il faut entendre, allez, les employés, c'est important. Globalement, si c'est important pour mon chef, si j'ai compris, mais que la sécurité numérique ne me permet pas de réaliser ma mission, je vais contourner. Donc, il faut être capable de les écouter pour trouver ce bon compromis entre efficacité opérationnelle et sécurité numérique. On veut mettre la sécurité numérique au cœur de la transformation numérique, on ne veut surtout pas les opposer.
Voilà, donc ces trois valeurs-là, elles peuvent se mesurer avec des indicateurs de performance. Prochaine. Et enfin, il faut valoriser. Aujourd'hui, la sécurité numérique, c'est vu comme un coût, comme une charge. Et à la fois financière, mais aussi une charge en termes de en empêchant les opérationnels de pouvoir effectuer leur travail de manière simple. Non, il faut valoriser cet effort-là, parce que demain, cet effort-là, il va être absolument indispensable à toutes les organisations, à toutes les entreprises, pour à la fois exister et pour pouvoir être capable d'être un partenaire de confiance dans les interactions économiques qu'ils vont avoir avec leurs partenaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour toute entreprise, en fait, on est de plus en plus dépendant des autres. Et cette dépendance-là, elle va devenir tout à fait inacceptable si il y a une dette de sécurité qui est créée par tel ou tel partenaire. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'on est toujours le maillon le plus faible, c'est celui qui va générer l'ensemble de la faiblesse de toute la chaîne. On n'a plus le droit d'être le maillon faible de cette chaîne-là. Cette demande-là, elle va être de plus en plus exigée par l'ensemble des partenaires et la réputation de chaque entreprise va être en jeu si elle n'est pas capable de pouvoir démontrer sa maîtrise dans sa gestion du risque digital. Alors, on a un petit peu bandé cette notion-là avec le terme de cyber business partner, mais c'est bien ce qui est au cœur de ce besoin de mettre de la confiance dans les écosystèmes numériques. Le dernier point, vers une référence internationale. Pourquoi ? L'année 2020, la décennie 2020, c'est la décennie du management du risque cyber. Pour l'ANSSI, pendant 10 ans, l'ANSSI a tenu le discours de « back to basic ». Il y a des fondamentaux, il faut les mettre en place, il faut commencer par la technique et durcir tous nos systèmes, toutes nos activités. Maintenant, notre discours a évolué. On a dit « c'est important, back to basic, il faut le faire, mais il faut aller au-delà. » Et au-delà, c'est le management du risque. On n'est pas les seuls à le dire. Ce constat est très largement partagé au niveau international, ce qui veut dire qu'on porte cette voie-là, on porte la position française principalement au niveau européen, mais on va la porter aussi au niveau du G20, dans le Global Forum, etc. Mais elle est entendue parce que tout le monde la porte. Et tout le monde est arrivé à ce constat-là. Cette doctrine, elle arrive au bon moment. Elle est compatible avec les différents standards internationaux. Elle a l'avantage de proposer une démarche rationnelle, alors que les frameworks qui existent actuellement, c'est plutôt quelque chose de dense. Et puis après, charge à chacun de le mettre en place dans son entreprise. Et elle est à la pointe de l'art. Donc, nous, à l'ANSSI, on va vraiment s'appuyer sur cette doctrine-là, s'appuyer aussi sur notre méthode d'analyse de risque et BIOS Risk Manager pour faire bouger les lignes dans les politiques publiques au niveau européen et au niveau international et dans les différents standards. Voilà. Pour conclure, je vais passer la main à Philippe. Et effectivement, on a pris conscience très vite aussi, nous, à MRAE comme ANSSI, que ce risque numérique ne pouvait pas être purement traité au niveau national. Nos entreprises, aujourd'hui, ont des partenaires qui sont internationaux. Et il est important de partager avec l'ensemble de ces partenaires ce même langage, cette même logique et cette même exigence. Et je crois que c'est pour ça qu'on a fait le choix dès le départ. Et je salue l'ANSSI, parce que je pense que c'est probablement la première fois. On a sorti ensemble la version française et la version anglaise de ce guide-là, et qu'on l'a présenté pour la première fois à Berlin, dans le cadre du Forum européen, en présence l'intermédiaire allemand BSI, qui est l'équivalent allemand de l'ANSSI, de façon à ce qu'on donne d'emblée à ce guide-là la dimension européenne à laquelle on aspire. On pense que c'est de cette manière-là qu'on sera le plus efficace. Et l'Europe a démontré par le passé, il suffit de se rappeler de l'RGPD, pour voir qu'elle peut avoir une voie qui trace la route au niveau international. Et si on est capable d'apporter ça à l'ensemble de la communauté, je crois qu'on peut s'en satisfaire. Pour finir, le guide est gratuit. Il est disponible sur le site de l'AMRAE, sur le site de l'ANSSI, en anglais
et en français. Donc, faites-le savoir, téléchargez-le. Et vous pouvez le récupérer donc, en format PDF sur les deux sites. Nous sommes ouverts pour les questions. Et juste un dernier point, nous serons le 6 février aux rencontres de l'AMRAE à Deauville et ravis d'échanger avec vous à ce moment-là également. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il y a des questions, prenons-les maintenant. Pour poser des questions ? Oui. Alors, poser des questions, l'usage, c'est de le faire par écrit en utilisant la petite interface qui est proposée par Zoom et de poser la question par l'écrit et puis nous, on y répondra en direct. Bien sûr. On va vous laisser quelques minutes pour prendre le temps de rédiger vos questions. En attendant, j'ai une question. Entre le moment où il y a la prise de conscience au sein de l'entreprise qu'il faut agir, entre la prise de conscience et on a compris que c'est ce perpétuel, mais où on sent que c'est installé opérationnel au sein de l'entreprise, oui. il y a un délai de combien de temps ? Parce que je pense que oui. La notion de temps, elle est quelque chose, c'est anxiogène de se dire, mais c'est un temps de combien de temps ? Alors, sur les rétextes que j'ai eus dans les PME, dans un contexte où on était quand même moins sous pression et avec une prise de conscience moindre. Il a fallu 3 ans, en règle générale, pour construire le socle de sécurité. Pourquoi ? Parce que dans un contexte peu mature, un RSSI, quand il arrive, son premier constat, c'est que tous les systèmes d'information sont éparpillés, qu'il n'y a pas de rationalisation, qu'il y a un niveau de sécurité qui est faible. Et donc, son premier travail, ça va vraiment être de construire le socle de sécurité, de rationaliser, de mettre en place des process pour faire de maintien en condition de sécurité, de sensibiliser, etc. Ce travail-là est assez long quand l'impulsion n'est pas non plus très très forte et quand il part de très loin. Dans ce cadre-là, ça leur a pris en règle générale 2 à 3 ans et après, ils basculent vraiment sur du risk management et sur du pilotage de la performance et de l'amélioration continue. Dans des entreprises plus matures ou des entreprises qui malheureusement se sont fait impacter sévèrement, ça va beaucoup plus vite. La nécessité de faire bouger toute l'entreprise est forte. J'ai un deuxième exemple là-dessus, parce qu'on l'a accompagné. C'est une PME à Marseille qui opère une plateforme numérique qui sert à gérer les flux du port de Marseille. Cette PME, elle ne savait pas trop comment commencer, mais elle savait qu'il y avait un problème. Elle a commencé par un serious game, on l'a animé chez eux, où on leur a montré vraiment leur exposition au risque. Et comme c'est une petite entreprise, la prise de conscience a été très forte. Et à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup plus rapide. Ça leur a pris 1 an. Parce que petite PME, beaucoup plus d'agilité aussi. Ils étaient déjà partis sur un investissement, parce que le driver était business. Globalement, ils voulaient partir à l'international et leurs clients à l'international leur demandaient des gages en termes de cybersécurité. Et ils voulaient pouvoir donner plus de gages. Le driver était business. La prise de conscience a été un peu violente parce qu'on y allait un peu fort, mais forcément, on voulait les aiguillonner un peu. Et derrière, il leur a fallu 1 an. Et au bout d'1 an, ils étaient vraiment en ordre de bataille. Ils avaient fait un saut en maturité très fort et maintenant, ils tournent très, très bien. Pour les grands groupes, je pense que, en fait, la plupart des grands groupes ont mis en place déjà des politiques de sécurité technique depuis des années. Là, ce qu'on a développé, c'est de donner cette dimension métier, de façon à être capable de pouvoir quantifier financièrement les priorités claires de l'entreprise et de pouvoir aider la politique de sécurité numérique dans le cadre des priorités business de l'entreprise. C'est un processus qui nécessite à la fois une vraie prise de conscience, une vraie adhésion du top management. Je pense que c'est vraiment important que le tone for the top, ça c'est clair. Mais aussi, et pas que, il faut aussi que nous, risk managers, puisque aujourd'hui, c'est principalement des risk managers qui nous écoutent, nous soyons capables de parler avec les responsables de sécurité pour les convaincre que la démarche que l'on va mener, c'est une démarche de binôme qui a un intérêt commun. Et en faisant ça, on va aller de manière plus mature vers une solution d'assurance. Pourquoi ? Parce que l'assurance, ce n'est pas une case à cocher et il serait certainement inefficace de commencer par se précipiter à chercher une couverture d'assurance sans avoir pris conscience de quels sont les besoins réels de l'entreprise. Parce qu'on risque de souscrire une couverture qui sera inefficace
et qui ne répondra pas le jour où on a un vrai problème. Il faut prendre le temps d'avoir fait ça pour que la démarche d'assurance elle soit vraiment efficace. Deux questions. Oui. Est-ce qu'on peut donner une idée du coût des investissements ? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'on peut développer les méthodes d'entraînement du personnel ? C'est une méthode d'entraînement du personnel. Alors, sur le coût des investissements, pour vous donner un repère, lorsque l'on a lancé la loi de programmation militaire il y a maintenant plus d'un an, globalement, pour les opérateurs d'importance vitale, on leur a demandé de mettre en place un certain saut en sécurité sur leurs systèmes les plus importants. Et on a évalué à la louche, on était à environ 10% du budget d'une DSI. Après, évidemment, cela va dépendre du niveau de maturité initiale d'une part. Et puis d'autre part, il faut bien prendre en compte aussi que les coûts d'investissement, s'ils sont faits après une attaque informatique, sont sans commune mesure avec les coûts qui sont faits avant. Parce qu'après une attaque informatique, il ne s'agit pas simplement de remonter ces systèmes, parce que sinon l'attaquant va revenir. Surtout quand vous avez subi une attaque en ransomware, où l'attaquant est venu profondément dans vos systèmes. Donc il va falloir non seulement les remonter, mais il va falloir aussi les moderniser et mettre en place ces coûts de sécurité dans un délai très contraint avec des impacts business. Du coup, il y a des coûts d'investissement, certes, en amont, mais il vaut mieux les faire en amont, les lisser dans le temps. 10% du budget de la DSI, je ne sais pas ce que ça vaut réellement. C'est un coût, c'est clair. Ça se valorise aussi parce que le driver, il est business, donc ça peut se valoriser sur le business. Il vaut mieux que le driver ne soit pas l'attaquant parce que sinon ça va avoir des impacts et des coûts qui vont être plus forts. Le driver peut être aussi réglementaire parce que potentiellement, la réglementation est en train d'élargir sa cible et d'attraper de plus en plus d'entreprises. Donc, il faut en avoir conscience. Et que je voudrais rajouter sur les investissements ou des investissements ? Non. Pour l'entraînement, c'est ça ? L'entraînement du personnel. J'en ai une autre après sur la norme ISO 27001. Est-ce qu'elle est suffisante pour une stratégie de risk management sur les systèmes d'information ? Alors, je vais prendre la première. Les stratégies d'entraînement, c'est un domaine dans lequel les prestations de services sont en train de vraiment innover très fortement sur ces stratégies d'entraînement. On peut commencer par la base, c'est-à-dire solliciter les employés par les modes d'action qui sont les plus classiques utilisés par l'attaquant pour entrer dans vos systèmes. Et actuellement, l'attaque par hameçonnage ou l'attaque dite par waterhole, c'est-à-dire d'utiliser des sites informatiques piégés pour pouvoir télécharger des malwares sur vos systèmes, sont vraiment les deux modes d'action les plus forts. Donc, on peut déjà commencer par ça pour entraîner ces utilisateurs. Après, on peut aller un petit peu plus loin en entraînant aussi ces administrateurs à détecter les signaux faibles sur le système en orientant sa défense. Et ensuite, on peut s'appuyer sur différents supports. Maintenant, on voit beaucoup de choses. Donc, le prochain FIC, le prochain Festival international de la cybersécurité qui est à Lille tous les ans, offre à chaque fois un panorama un petit peu large des innovations. On voit arriver du serious game, de la bande dessinée. On voit arriver beaucoup de choses qui permettent de faire monter en compétences à la fois en sensibilité et en entraînement. Ouais, mais l'entraînement, ça se contextualise. Ouais. Et concernant la norme ISO 27001, elle existe depuis longtemps et clairement, nous, notre analyse à la MRAE, c'est qu'elle n'est pas suffisante pour permettre de pouvoir aider de manière concrète, précise, pas à pas, l'entreprise dans la gestion du risque digital. C'est la raison pour laquelle nous avons d'emblée, à la MRAE, travaillé sur des méthodologies qui soient beaucoup plus en cœur de ce qui est notre gestion de risque globale, les processus de gestion de risque, et adapter ces processus de gestion de risque à la spécificité du risque digital, du risque numérique. Alors effectivement, vous connaissez les normes, c'est le fruit d'un consensus assez large. Donc généralement, ce n'est pas très précis non plus. La 27001, elle a ses qualités. Il faut aller plus loin dans le cadre de la 27001. C'est tout l'objet de ce guide. Sachez que les normes de la gamme 27000 sont en train d'évoluer. On est très impliqué dans cette évolution, notamment sur celle sur l'analyse de risque cyber, la 27005, pour pouvoir y intégrer BIOS Risk Manager complètement dans la 27005, et puis également sur la 27001. Donc, on suit ça de près.
c'est bien parce que ça donne un cadre, ça donne une reconnaissance qui est connue par tout le monde. Néanmoins, il faut aller plus loin. Il faut y mettre de la chair à la 27 000. On va peut-être prendre une dernière question. Alors, une dernière question, c'est, je vais la résumer pour la personne qui l'a posée, mais c'est surtout le recrutement, en fait, on va dire, des équipes sécurité RSSI. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, on va dire, pour recruter, et on parle en termes de confidentialité, de sécurité des informations et peut-être des échanges d'informations entre cette personne recrutée et d'autres pays. Voilà. Comment est-ce qu'on protège soi-même son équipe sécurité? La ressource, bon, je vais élargir un petit peu. La ressource humaine en termes de sécurité numérique, c'est un énorme enjeu à l'heure actuelle. On est globalement dans une configuration où on n'a vraiment pas suffisamment de ressources humaines. Donc, c'est compliqué d'aller recruter les bonnes personnes. En termes de politique publique, l'ANSSI travaille énormément avec l'éducation nationale pour pouvoir susciter de l'intérêt, avec l'enseignement supérieur pour pouvoir mettre de la sécurité numérique dans les écoles d'ingénieurs, etc., etc. Mais on va avoir un trou capacitaire en termes de RH pendant encore un certain temps. Néanmoins, les métiers évoluent, les métiers de la cybersécurité évoluent, sont bien référenciés par l'ANSSI dans son label SecNumEDU, et on voit les équipes cybersécurité se développer dans les entreprises avec deux types de métiers, celui du risk management, qui est donc davantage sur la compréhension du risque, la veille juridique, et celui plus technique, historique, avec les architectes de sécurité, notamment avec les auditeurs, qui eux vont progressivement migrer directement dans les métiers, pour mettre en place la sécurité numérique directement dans les métiers, puisque les métiers s'accaparent la transformation numérique, ils vont avoir besoin d'experts au sein des métiers, et au-dessus de ces experts, on va avoir des risk managers cyber. C'est un petit peu la grande tendance que l'on voit à l'heure actuelle. Après, oui, il faut choisir avec soin ses collaborateurs, là-dessus, c'est un peu tarte à la crème, mais il faut faire une analyse de risque, parce qu'en fonction de son exposition, on peut tout à fait prendre des collaborateurs qui viennent de différents pays et aller chercher les ressources où elles sont. Et puis si on a des menaces étatiques un peu fortes en face, on va aller chercher se prémunir un petit peu de cette affaire-là. Je pense qu'à ce niveau-là, la complexité, elle n'est pas dans les entreprises les plus grosses, qui ont les plus grandes menaces en face et qui savent faire ça, mais elle est dans leur exposition par rapport à leur supply chain. Parce que l'attaquant, il va plus facilement pouvoir positionner des gens indélicats dans des petites entreprises qui travaillent au profit de grandes entreprises. Et la maîtrise de sa supply chain, je pense que tu vas faire un mot sur la CVI, c'est quelque chose qui est au cœur de la cybersécurité à l'heure actuelle. Absolument. Clairement, la dépendance à la sous-traitance, c'est un enjeu majeur. Et on le voit à la fois du point de vue industriel, du point de vue des services, du point de vue assurantiel. Et c'est véritablement une dimension sur laquelle les entreprises prime, les grandes entreprises, vont être de plus en plus exigeantes parce qu'elles sont, dépendantes de l'ensemble de cette supply chain. Sauf s'il y a vraiment une question, mais peut-être ce que je propose, c'est qu'on les garde et on leur réponde spécifiquement. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je crois qu'il y a eu vraiment une très large audience aujourd'hui pour ce webinaire et c'est un vrai succès. Donc, merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on sera le 6 février à Deauville aux rencontres et le 5 pour échanger avec vous si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Le guide est gratuit. Téléchargez-le. Il est sur les deux sites. Bonne journée à tous et merci encore. Merci.